Madame, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours avec joie que je me retrouve devant vous pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes le 15 février 2023 et nous venons encore une fois de plus dans une émission Maxi où nous allons parler de ce qui a été hier de la rencontre de concertation CENI, partie prenante au processus électoral qui a eu lieu à Pretoria hier entre Kadima face à la diaspora sud-africaine, donc à la diaspora congolaise sud-africaine. Donc c'était quand même chaud. Aujourd'hui, vous aurez maintenant tout mon point de vue. Je vous avais dit que j'ai réunissais les éléments, beaucoup d'éléments sur justement ce processus électoral qui est déjà en cours, qui a été déjà lancé depuis le 24 janvier ici en Afrique du Sud. Donc, tous les éléments sont réunis. En tout cas, je vais vous rendre compte de ce que je pense aussi à la fin de cette émission. Donc, soyez là, suivez-moi attentivement parce que ça va de l'intérêt de tout le monde qui se trouve ici en Afrique du Sud et qui veulent crédibiliser la CENI ou bien que ce processus soit vraiment clair et transparent que veut la CENI. Donc, nous allons être là pour, en tout cas jusqu'à l'épuisement de notre dossier d'aujourd'hui pour que nous puissions en passer. Donc, na lelo, na émission lelo, oyotokoloba, ba élément nyonso otoreinisaki depuis enrôlement ya awa en Afrique du Sud. Tokolobe la makambu nyonso tout. Nous allons en parler de surtout les oignons, surtout au Burundi, qu'on s'est posé comme question sur le processus électoral en Afrique du Sud. En tout cas, toko répondre na ba réponse nabino, il y aura les hauts et les bas. Ce que j'ai constaté, le bienfait de la CENI, ce qui ne marche pas, ce que nous pensons que ça devrait marcher. Nababilo konyo soit na toko décortiquer en tout cas na émission alelo. Donc soyez vraiment là. Bolandanga vraiment tina souka parce que ekozala moi mula il a décidé que na lo babiloko nyonso tout au etali etangi makambo seni et puis peut-être à la un autre jour ceux qui vont continuer ko tuna ka mituna wana neto ko pesaka biano na yango. Nous étions là, donc ba image mususu oto banda kolobela, vous allez voir défiler na kati ya écran awa pour vous prouver notre présence oto zalaki na kati ya réunion wana oyo et réunisaki toutes les parties prenantes, donc société civile, bah, membres de partis politiques. Nous avions vu là-bas les partis politiques tels que l'UDPS, Ensemble à Moïse Katumbi, Zalaki, organisation, Yabassi, Zalaki. En tout cas, tout le monde était représenté et tout le monde avait vraiment porté l'intérêt. Batuna, Kadima, Mituna, Mituna, Zalaki. On a déjà, Pesa qui déjà, société civile, parti politique. Il y a en Afrique du Sud, Pesa qui déjà, Mituna na bango depuis longtemps. Il y a eu des problèmes qui ont été posés et ces problèmes-là ont été portés au niveau. Il y a CENI. C'est comme ça que tout le monde s'attendait à ce que Kadima Tango Akoya, Akoya na ba réponse na ba na Mituna na bango. Donc, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis, tozo zonga, poto bandako décortiquer likambo na biso, donc sujet na biso, oezali, donc cadre de concertation, CENI, partie prenante au processus électoral, ici en Afrique du Sud, Kadima face à la diaspora congolaise sud-africaine. Tolandana nous ba actualité, puis tozongi après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, 304 électeurs vierges interceptés entre les mains d'une personne. Et Maniema, Forum pour l'unité, Emmanuel Ramazani, Chadari et Matata Ponyo enterrent le passé. On va sur actualité.cd. Finalement, 8 corps morts dans une collision d'embarcation sur le lac Kivu. Ça, c'est le statistique. Littérature prix Mako. Voici les lauréats de la 5e édition. Élection 2023, la CENI annonce l'arrestation d'un individu. On en a parlé avec Actualité, donc élection.net.
On va sur Congo profond, au 1-2 du gouvernement Sama, des signaux positifs à l'actif du Premier ministre. Et Rutshuru, 800 enfants souffrant de malnutrition aiguë ont bénéficié de 26 tonnes d'aliments nutritifs spéciaux du PAM. On va sur 7-7. Agression rwandaise, c'est ni. Et puis ici à Lubumbashi, Kinshasa cardiologie, le président Tshisekedi au chevet des enfants opérés à la clinique d'Ngaliema. Et puis agression rwandaise à la RCD, le gouvernement insiste sur l'application avec rigueur de la feuille de route conjointe de Nairobi-Luanda. On termine par Radio Okapi. Ici, l'EU demande au Rwanda d'utiliser tous les moyens pour faire pression au M23 qui se retire des zones occupées. La société civile s'oppose à l'enrôlement des déplacés de guerre. Merci, on se revoit prochainement dans Zéro numéro 1. Portez-vous bien, au revoir. Voilà, Bandeko. Ici, comment je vais procéder ici? Na ko procédé d'abord pour na ko énumérer bino ba problème oyo ezali ko sa la biso. Nous allons dire d'abord les grands problèmes que la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud fait face vis-à-vis de cette loi de la CENI qui a été promulguée pour le vote des Congolais à l'étranger. Le principe était quoi? Le principe était que le peuple congolais vivant, résident à l'étranger pourrait voter. Donc, et puis la CENI, disons, la loi, l'Assemblée nationale avait quadrillé Batualobi, tout bandana nous na session Oyo, Namnanio, Namananani, na élection à 2023. On va faire un boule d'essai, donc, Toko Tindikana, nous total, comment ça va se passer, donc, dans les 5 pays à l'étranger. Toba, choisis ça qui, 5 pays, Balobi, Toko tala ba pays nyo so toute mais toko tala nanu ba pays oyo ezane ti boule d'essai. Alors on a cité l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada et les États-Unis nde ezala ki ba mboka o ezala ki choisi par la loi, donc c'est nani l'Assemblée nationale o baloba ki bon c'est ni to mekananu totala comment ça va se faire. Cela était quoi? À cause de quoi? À cause des réclamations justement ya ba congolais oyo bazala kana étranger. Tous les congolais qui étaient à l'étranger se disaient, les résidents disons à l'étranger se disaient être marginalisés par rapport au vote, donc ils n'exercent pas leur devoir citoyen de voter de voter quoi, les surtout les niveaux, niveau présidentiel, niveau yaba parlementaire, même naba niveau naba niveau nani yaba circonscription, donc tel que ba mairie, tel que oyo na niveau à base. Donc les Congolais à l'étranger ba pesa ba sala ki moi makelele, et puis ça a été pris en compte que to mekananu tout oyo soki tokoki c'est comme ça qu'il a été donné à Kadima d'organiser les élections dans ces 5 pays-là. Donc, on a voulu Kotang et Labino. Ces 5 pays-là, je vous les rappelle, c'est encore l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, les États-Unis et le Canada. Ça, ce sont les 5 pays qui ont été choisis pour que Oba Kende comme Kanaba élection. Alors, particulièrement maintenant, en Afrique du Sud, il s'est posé un problème. Parce que loi Oyo. Il y a banane, il y a Seni, Elza qui compensa ba condition. Ba condition, on a d'abord, ils ont donné un communiqué le 22 janvier 2023, na janvier awa, avant que balancement ya ba élection et banda na côté ba étranger. Alors, ils ont eu une difficulté. Difficulté zala ki ndé nini? Il y a États-Unis d'abord na Canada où ba visa ya ba formateur o ba linga ko tinda côté kuna ba kende ko former ba tu aseni kuna na Canada na États-Unis ba visa na bango et sala ki mo akoko. C'est pour cela que vous aviez vu, ils ont tout simplement désigné la France, la Belgique et l'Afrique du Sud où les visas ont été octroyés aux formateurs de la CENI oyo ba kokaki koya déjà à la date du 23, parce que c'était à la date du 23 que ces enrôlements devraient commencer. Il y a Wana Bomona qui, les 3 pays là-bas, va pas communiquer. Ils ont dit ceci dans la communiqué. Nazotiela Binoango Ao. Balobi, pour voter,
quelles étaient les conditions que la CENI ou bien la loi avait permis. Il faut oser la résident dans ce pays-là. Donc, il faut oser la résident. Dans le pays, on a Tangami, France, Afrique du Sud, Belgique, Canada, États-Unis. Mais on a communiqué, oh, comme la France, le Canada et les États-Unis n'avaient pas encore le visa, le bango et le formateur, ils ont expliqué, communiqué à le vendeur et concernant qui tout simplement trois pays, oh, l'enrôlement, il fallait et banda le 3. Le 23 janvier 2023. Et Zalaka communiqué à le 22. Le 22 communiqué Bimi et Lobi, voici les normes. Ba pièce d'identité Oyo, Tokondima. Ba Lobi, faut à la résident. Prouvez donc que vous avez résidence. Non, normalement, si vous avez résident, vous avez la carte à résidence et puis vous avez na passeport na yo, et puis, bon, ça c'est ça. C'était ça le monture, il faut à la résidence en Bokawana. Alors, na cadre siko et Afrique du Sud balobi, particulièrement pour ceux qui sont en Afrique du Sud. Na longola, na okendeka mingi te na côté à France kuna. Voici les éléments, les documents dont il faut disposer. Babandai kolo baboy, na kati ya bango nyonso tout. Balobi, il faut prouver que ozana passeport na yo eza valide. Et puis, on a une carte de résidence. L'une de ces pièces-là est copée sa yo droit ya kozala enrôlé. L'une de ces pièces-là, il y a un passeport na yo, ou il y a une carte visa moko ezali valable, passeport na yo ezala valide. Et puis, soit il y a un permis na yo à résidence, donc carte non à résident. Carte na yo permis, donc surtout. Ça c'était particulièrement maintenant pour l'Afrique du Sud. Ils ont cité maintenant les modèles de visa qu'il fallait avoir. Ba modèle à visa on a fallait kozala nango parce que problème ni nango zana en Afrique du Sud. En tout cas 95% 95% ya batu o bazali awa bazaba demandeur d'asile. 5% wana disons na kati ba demandeur d'asile wana ezana ba réfugié na bangundère donc ba demandeur d'asile na ba réfugié donc ba catégorie na nyo surtout bo bazana kati asile na benga ngo na asile quoi na asile selon la ba organisation internationale bango so quand tu es déjà réfugié tu ne peux pas arriver à l'ambassade, le pays d'accueil vous protège. Pays où le temps aux akoya awa et au commis déjà na protection à pays wana. Donc, nanani na loi internationale, un demandeur d'asile ou un réfugié ne peut plus aller à l'ambassade, à moins que déjà, à comme un résident, à l'ongwana catégorie wana. C'est pour cela que awa nde problème se posa ki makasi. Pourquoi? Parce que 85% bazaba na asile awa. Na kati asile wana ezana ba réfugié na ba demandeur d'asile. Or, ici na kati ba mikanda oyo ya bato bazana na kati ba yanani awa. Na ya bangunder ba komi wana eza permis de résidence temporaire avant que ba kalifie okoza la réfugié to za la réfugié te. Et ça, la cabane, nous sommes renouvelés en Congo pendant 6 mois, pendant une année, pendant et ça, la caca, selon Dengue, on m'a fait ça, la caca. Ça, ce sont les problèmes réels qui se passent ici en Afrique du Sud. Alors, maintenant, communiqué, je vous parlais de ce communiqué-là, qui disait ceci, que Moutounioso Oyo, Azana Kati Afrique du Sud, voici les visas ou bien les permis qu'ils devront se présenter avec nakati ya nanya baromana. Il faut zala na passeport na yo. Non, balobi, il faut zala na passeport na yo, zala nakati. Parce que le visa qu'ils ont cité là vient directement, zala directement nakati ya passeport. Donc, ba permis, soit résidence, permis de travail, et yaka nakati ya passeport. Permis, ya nani ya spouse à campagne, donc mobile ou azana résidence permanente ou bien moi si n'a zalakana visa d'accompagnement. Bato bazana pa permis de travail, baya kana ba visa d'accompagnement. Ezana ba visa moussous ou eko bakisam na ka e bakisamaza ba visa ya ba retraité
ezana ba Congolais mususu bazana ba visa ba retraite ba somba na bango banda ku awa ba iba bambongo na Congo ba somba awa ba yaya ko investir awa ba ko zo retraite l'Afrique du Sud leur donne le permis de se retraiter ici permis wana eyaka na kati ya passeport ba tchaka ngo na kati ya passeport. Ainsi donc, le problème que le Sud a, c'est que la catégorie est en ce qui que le passeport est bel et bien expiré. Bolandanga malam. Or, l'ambassade ne livre pas le passeport. Il y a un problème avec le passeport dans le Congo. On a dit que le Belabino a été masolo oyo ebetamaka oyo pesamaka batuba ba evokaka ba situation wana avant même que Kadima aya awa bambi loko batinde la kaye deja balobi tala likambo oh, parce que il est passé encore ici une fois tango reini saka batu balobi voici les problèmes que nous avons alobaka lobi babiloko wana je vais porter ça à l'assemblée nationale ou bien à l'assemblée plénière à seni pot ba examiner bakawana. Or na nani wana naza koyebisa bino na communiquer wana spécialement boye ba déjà na kati ya communiquer wana o ezalaki ko adresser trois pays c'est-à-dire la Belgique, la France et l'Afrique du Sud. Na communiquer wana balobi particulièrement pour l'Afrique du Sud, voici les visas dont vous devez venir avec pour que vous s'enrôler. Ba visa wana yango wana e komaki wana tango ba visa wana ye batu bazana ba visa wana et se poser problème que non ba visa wana eyaka na kati ya passeport sauf pour les résidents permanents ba visa batu bazaba ba résident permanent ba pesa maka carte d'identité moko boye eza carte d'identité ya vernet ya ba sud-africain mais carte d'identité wana nde ezalaka eyaka na certificat ya résidence permanent donc tu n'as plus besoin même ya document moko mususu quoi que ce soit même ton passeport congolais parce que la république sud-africaine même t'offre ba pesaka visa disons ba pesaka passeport ya ba sud-africain temporaire o ko ki ko vu ko konani ko voyager na ngo ezalaka ba passeport ya ba résident permanent na bango ezalaka oza la congolais oza la nani ezalaka passeport wana kutu makambo wana passeport te mais la CENI ici exige c'est que vous ayez un passeport congolais donc bomoni déjà que à partir ya babiloko oyo ba ba bisenga ya CENI oyo pour que ba congolais ba s'enrôler ba senga ki document moko parmi les deux votre passeport valide ou soit votre résidence permanent oyena biloko wana mibale ba ko enrôler yo donc moko ya mibale wana c'est ça l'esprit même de communiquer à pona particulièrement Afrique du Sud particulièrement balobi il faut oyana papier moko entre résidence permanent ou bien passeport nayo valide. Na kati ya passeport nayo valide wana il faut zala na ba visa boy. Ba résident permanent bango na kati ya banani wana et komami ke oza congolais. Parce que on ne peut pas te donner cette résidence permanente comme ça sans que il n'y ait pas de documents ou euti na ambassade. Tokenda ka na ambassade ko senga banani ba attestation de bonne vie et mœurs, attestation msusu ba document ebele oyo o ma fait zazala kanango besoin et outa kan ambassade po ba pesa yo résidence permanente na carte verte ona oyo ba komi ke ozali mobota mi ya Congo tu viens de la République démocratique du Congo. Voilà un peu le problème que nous avons rencontré. Donc na communiqué ona botala na suka awa balobi boy, balobi que venez avec votre résidence permanente, tu seras enrôlé comme électeur. Baloba ka jamais. Que il faut y en a un document mi balé on a concomitant. Non. Pour l'Afrique du Sud, baloba ka yango na kati ya nanya. Parce que c'est un cas particulier au de cela qui mais pour Belgique na France, il fallait qu'il y a concomitant na passeport valide, na permis il y a résidence au côté kuna nani permis de séjour temporaire au ba pesaka parce que na porte pare ba pesaka carte à séjour temporaire wana expiraka il faut za la valide soki siko omikuti na ka oyo ke passeport na yo
est validité ou bien on a perdu, est expiré ou bien carte à séjour na ezali nanu, tu dois acheter une carte consulaire. Nde makambwa carte consulaire wana ekotaka. Maintenant l'Afrique du Sud, on n'avait pas parlé de carte consulaire. Balobaka kaka balobi soit ozana résidence na yo, soit ozana ba passeport na yo, ezana kati ba visa o ABCD. Ces problèmes-là ont été donnés à M. Kadima. Kadima Zwaka yango à l'obité. Et ça, ba problème réel, na okende ko solo la makambu oyo na kati ya assemblée plénière ya CENI. Akendaka na yango. Alors, na manifestation oyo, ya lobby tokanisaki tous les Congolais. Pourquoi Ngouma ezalaki? Parce que Kadima s'était déjà saisi na ba problème oyo awa. Les Congolais d'ici pensaient que réponse moko ekoya Kadima koya nango a expliqué ce que ba Congolais lobby. Voici les résultats. Donc milelo na bino eyokamito eyokamite nezalaki batu ba yaki ebele po ba yo Kadima soki réponse nini apesa ki na babiloko wana. Qu'est-ce que la diaspora congolaise attendait? Je vous ai dit que Moutounyo soit en attachement à Congo. Moutounyo salingi Congo. Moutounyo salingi a voté. C'est pour cela que cet engouement est là. Moutounyo salingi vraiment va passer à cette opportunité on a voté. C'est comme ça que engouement on est zalaki. Bah tu vas bander qu'on ne savait bien en tout cas tokende. Parce que 95% y a bah tout oyo baza koto baza pratiquement bangundera. Alors, na banquette na biso. Ya homme affaires tant to yo kaka okoti na batu na ba renseignement na biso na ba câble na biso. Combien de résidents congolais se trouvent en Afrique du Sud? Jusqu'en 2020, nous étions 15 000 congolais au bazar na ba carte ya ba résident awa. Donc bazar na ba ID ya vert, ils sont à peu près 15 000. Batumsusu bazolo ba 25, mais moi mes câbles de l'homme affaires oyo to collaborer na bango ba pesa kinga balobi c'est en tout cas na 2020 nani asuka na 2020 ezalaki bazalaki 15 000 avant ba arrêter makambo ko pesa ka ba résident permanent na ba réfugié. Jusque là les Congolais étaient à peu près à 15 000 ne ba bibatuana ba résident awa. Donc c'était pour la CENI. Je n'ai habité ce qui bango baza ko s'attendre na chiffre nini en Afrique du Sud parce que Kadima n'a pas donné de chiffres. Personne n'a posé cette question là. On était là pour vouloir poser la question, mais on nous avait empêché aussi de parler, de poser la question. Donc homme affaires awa aza à peu près na 15 000 Congolais résidents awa oyo bakendaka bazongaka bakendaka bazongaka 15 000 Congolais wana. Il y a un chiffre au CENI à Kokaki qui se basé dans le Kolobakeno. À partir de 15 000, je vais enrôler. Natala, ce qui est en na ba chiffre nini. Voilà. Maintenant, le problème, problème en Afrique du Sud. Déjà, l'expérience n'a nini. Tant que nous avons kende ko s'enrôler, nga nazar résident permanent, je pensais que non balobi tant on attend mubeko balobi yaka na document moko entre les deux. Donc moko o est représenté que osa congolais enrôle toi librement sans problème. Premier jour na kei na komi kuna ba singa balobi papa malgré que osa résident awa il faut o somba carte consulaire qui est à 300 rand pour que to enrôlé o. Discussion makasi salama kina sali discussion na sali plaidoyerie muto ayoka ki ayoka la kingate. Donc nazala ki obligé yako sala 4 tours na ambassade ti na sombi na carte consulaire nazba rolengai. Après ça, entre temps le deuxième jour quand je suis arrivé oh na ke nauti ko futa nani carte consulaire wana parce que basuba tchaka mbongo na banque tout ça bas processus wana nyoso na yena ba document wana na kuti batu mususu oyo bandeko. Ça c'est le malheur des Congolais na ebite so ba pesa ka mbongo to nenini. Ils ont été enrôlés malgré que bazalaki na ba
bah défaillance msusu. Quelles sont ces défaillances que les gens ont constatées ici? Tozana baka 7 cas ici. Les réfugiés d'abord, ceux qui déjà osa ngunder osa exclus. Ceux qui osa demander d'asile, c'est comme ça d'avoir demandé d'asile balobi. Non, biso toza ba demander d'asile mais ngunda na biso ezali le type résidence temporaire au bapesa kabiso. Donc nous pensons que nous étions à même d'être éligibles. C'est ça la requête que Kadima avait obtenue à l'obina Kokende Kosolola. Et puis je reviendrai vers vous. Où les gens se sont dit, allons écouter. Bato bazana ba kaya ba passeport expiré. Donc nous sommes en Afrique du Sud. Tomi kouti ke bato ba ebele bazana ba katia ba passeport expiré. Mais bazana ba résident permanent. Disons bazana ba... Bazana na kati ya ba résidence permanente na bango. Ils ont des passeports expirés. Batumusu bazana visa na kati ya ba passeport na bango expiré. Mais na kati wana visa na bango de travail ezali, visa moko ezali, mais passeport na bango eza expiré. Donc, Seigneur boyaki batwana alobi batwana nyoso tout. Il faut bokende bo associer bo somba carte consulaire pour que bozala enregistré. Donc, cas général et Salemi, en Afrique du Sud, Ozala résident, Ozala na passeport expiré, Zana Kati Anania, Zana Kati visa moko valide, ou bien za valide, ou bien za visa expiré, mais Ozana reçu na yo ya kosenga prolongation. Tous, on a dit, il faut bo associer ba nani wana nyoso. Avec une carte consulaire. Donc, l'ambassade s'est vu que, donc c'est aussi un moyen, il y a qu'on se faire un peu d'argent sur le dos du Congolais. Excusez-moi le terme. Parce que l'enrôlement est gratuit. Vous ne pouvez pas conditionner. Kokosu et Salemi, moi-même, j'ai eu des discussions, je vis les agents de l'ambassade venir, nakatia seni, balobi nangai, que non, yo bako enrôlé, te, tout ça. Bras de fer et Salema qui n'a lobby. Bon, moi je n'ai plus quoi à faire. Nazan a besoin d'enrôlement en gaï. Na fouti babilo quoi na tiki makelele. Na sali. Mais j'ai accepté cette humiliation. J'ai accepté cette incongruité à babilo quoi na lobby. Na tiki kaka makelele. Mon problème c'est d'avoir ma carte d'électeur. Voilà un peu babilo quoi na nyoso. Ba attente nyoso. Oh, population awa. Y Afrique d'ici de Bandai qui causait. Maintenant, nous allons suivre un peu Kadima pour une petite minute, exposé Naé, qui était pratiquement ce qu'il avait dit la fois passée. Rien n'a changé. Et là, comment quoi changeait? Et là, comment quoi Salema quittait? Que non, nous votons quoi Zalite? Je vous l'ai dit en avance. Tolandanan. Pour votre présence, je ne m'attendais pas à voir un groupe aussi large que celui-ci. D'autant plus que nous avons lancé les invitations avec beaucoup de retard, parce que c'est une activité pratiquement improvisée. Donc je peux que vous remercier de votre présence ici. Bien entendu, à tous seigneurs, tout honneur, je remercie l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud pour non seulement sa présence, mais pour avoir facilité cet exercice qui s'appelle enrôlement des électeurs. Il a été au four et au moulin. Et il nous a accompagnés et continue à le faire. Merci, Excellence. J'en profite aussi pour dire la même chose pour les autres ambassadeurs. Nous avons eu vraiment le privilège d'être assistés, parce que comme vous le savez, c'est la première fois que la RDC organise des élections en dehors de ses frontières. C'est une relation nouvelle qui est établie. Nos ambassades, je parle ici de la Belgique, France, bien, j'ai déjà parlé de l'Afrique du Sud, et maintenant nous sommes en voie de commencer le même exercice la semaine prochaine aux États-Unis et au Canada. Et la collaboration que nous trouvons est vraiment appréciée par nous. Alors ici, pour revenir à l'Afrique du Sud, j'ai visité des centres d'inscription ouverts à l'ambassade. Je dois dire que c'est très bien organisé et tout se passe à merveille. Je remercie non seulement l'ambassadeur, mais aussi son équipe au niveau de l'ambassade. Alors, être devant vous, pour moi, c'est
C'est important pour plusieurs raisons. D'abord, le nombre tel que vous êtes là, et tout ce que nous avons eu comme communication de votre part, j'ai reçu des communications venant des partis politiques, des organisations de la société civile, et il est clair que vous portez encore beaucoup d'intérêt à notre pays. Et ça, c'est très important. Je me dis que vous n'avez pas oublié d'où vous venez, et merci pour cela. Je peux dire la même chose de moi-même, je n'ai pas oublié d'où je viens. J'ai longtemps vécu ici, donc c'est comme un retour au bercail. Et je considère cette rencontre comme un début de conversation. Parce qu'il y a des problèmes que nous pourrons résoudre, il y en a que nous avons déjà résolus, mais il y a des problèmes qui ne trouveront leur solution qu'à terme. Parce que n'oubliez pas, ça c'est la première fois que nous organisons les élections à l'étranger. C'est une sorte de phase pilote. Nous avons retenu 5 pays, dont celui-ci. Et de nos échanges, nous allons tirer des recommandations, nous allons tirer des leçons et faire des recommandations aux autorités. Et vous-même, vous devez faire la même chose parce que la CENI conseille les institutions de l'État, notamment le Parlement, le gouvernement. Mais vous, en tant que citoyen, il faudra que, après ici, que ça ne s'arrête pas. Je sais que vous avez beaucoup de recommandations, il y a beaucoup de choses que vous déplorez, mais ensemble, nous pouvons arriver à faire changer un certain nombre de choses. Mais nous allons en discuter en long et en large dans le cadre de cet échange. Avec la remarque des électeurs, il faut dire que notre tâche n'a jamais été facile. Peut-être que je vais vous expliquer ça en cours de route pour que nous puissions bénéficier d'un peu plus de compréhension de toutes les parties prenantes. Alors, quelles sont les grandes dates à retenir? Du 15 avril 2023 au 14 mai 2023, la même année, nous allons finaliser la consolidation et le traitement des données sur l'enrôlement des électeurs. C'est-à-dire, dans le fichier électoral, nous allons détecter des bidons. J'ai visité par l'unité, ils m'ont dit, ne nous mettez pas dans le groupe pilote encore parce que vous apprenez les leçons, nous on a les déboires ici, et puis les autres disent l'avantage des leçons apprises chez nous. En fait, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas faire cet exercice sans passer par une phase pilote. Parce que durant la phase pilote, vous découvrez des problèmes, vous pouvez les résoudre. Au moment où maintenant vous lancez l'activité à grande échelle, vous maîtrisez l'outil, la formation a eu lieu, les améliorations ont été apportées. La CENI actuelle n'avait pas ce luxe-là. Rappelez-vous, nous avons commencé 28 mois après la date. Et puis, quand nous avons commencé, tout ce que les gens nous disaient, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, c'était « nous ne voulons pas de glissement ». Et il y en a qui allaient même plus loin. Ils disaient « le président Tshisekedi a placé M. Kadima là-bas pour organiser le glissement ». Ça, on l'entendait beaucoup de fois. Alors moi, je me disais, voilà, ça c'est un défi qu'on a lancé. Et le glissement, le mot glissement ne fera jamais partie de mon vocabulaire. Mon équipe et moi. Donc, c'est ça. Alors... Voilà, après exposé, on a botali bino mon coquet. Barekete oyo ya bato oyo basengaki ya na Afrique du Sud, basengaki, aucune nouveauté. Et là, comme au côté... Alors, beaucoup de gens se sont posé la question, toi qui kosa la awa nini? Toi qui kosa la nini awa? Parce que aucune requête ou te posa qui comme problème qui est préalable ou bien quoi que ce soit n'a jamais été prise en compte. À ta solution, mon côté. Tout ce que Kadima avait comme faisait face na sans réponse à Kenda qui kokime la côté à loi lobité, loi et lobby boy. Loi yango mtuezo salaboy. Loi yango mtweza ko obligé bisoboy. Les Congolais ont posé le problème ya carte consulaire qui coûte à peu près excessivement cher pour eux ici. Kadima lobi, ça dépend maintenant ya ambassadeur, ce qui ambassadeur a voulu ko tala, ce qui a voulu ko réduire prix ya carte wana. Alors, mes chers amis, je ne veux pas être trop long et puis je ne veux pas m'attarder à des négativités ici. Moi, je me suis posé 3 questions. L'explication à Kadima Oyo. Que
quel était l'objectif poursuivi? N'est-ce pas que c'était de donner l'opportunité à, au maximum de Congolais d'exprimer leur devoir civique à voter? N'est-ce pas ça qui a été poursuivi, qui est l'objectif suprême? Pourquoi ne pas être du côté des Congolais en leur disant que non, bon, voici Bande Koto Salat. Comment est-ce que nous pouvons alléger ça? Les gens ont beaucoup de difficultés ici à l'étranger. Tous en ont besoin, papier. Les problèmes de papier ici se posent avec acuité. Et même les gens ont donné des solutions. Balobi, il est question à ce que Nalikambo, oh, poto éviter en gros, pour que les gens, par exemple les Ngundères, n'arrivent pas à l'ambassade, délocaliser les trucs d'enrôlement. Botcha yango atana ba église, que les gens puissent s'enrôler dans les églises, parce que les pasteurs étaient là, étaient prêts à couper ça. Babylon qu'on a bango église, justement pour éviter à ce que Bangundere baya kokota na ambassade. Et c'est là, parce que nous nous sommes dit, Natangu oyo, ce qui est bosa na nani na esprit, moko ya mabete derrière la tête, vous devriez faire ça. Et ça, problème à Kolobake, non, c'est 3-4 églises. Nous allons, par exemple, mettre une église à Cape Town, une église Moko en Afrique du Sud, bien mis balé à Johannesburg, une église Moko à Durban, parce que c'est là où elle est à concentration, il y a des Congolais belé. Bon, permettre les Bangundères de s'enrôler, mais ils ont quatre ambassades. Parce que vous aviez dit que la CENI est indépendante. CENI est indépendante dans l'ambassade. Teni eza indépendant na ambassade, seni eza na baloi, eza fonctionné sur la loi. Comme c'est l'objectif, ya kopé sa opportunité na tous les Congolais, ba s'enrôler, ba participer na nanani wa vote, il était question à ce que seni a délocalisé ba toana pour que ba permettre ba tuebele, ba kende na bango, na kati ya ba église, ba kende ko exprimer eloko na bango. Pourquoi? Parce que la seni elle est indépendante. Elle est indépendante, elle peut faire tout ce qu'elle a. Elle a prérogative ou elle a qui donné à Katia Seni. C'est ça la question que moi je voulais poser. C'est ça la question. Mais malheureusement, Batoua ou Nakati n'a habité, soit Babeta n'a bouton de Nini. Ils m'ont fait. N'a pas dit comment il est isoba. Batoua a posé des questions banales. Moi, c'est ça la question que je voulais poser. Et tant que indépendance a seni azana ba prérogative o ya kuki ko sala pour que a avoir grand nombre. Imagine-toi, la CENI jusqu'aujourd'hui, jusqu'hier, c'est un an statistique o apesi, nous étions à 1140 Congolais o bazala qui enrôlés depuis le 24. Aujourd'hui nous sommes le 15. Et je crois que dans 2 ou 3 jours bakokanga. Donc, ceux qui bakangi, ils n'ont pas parlé de prolongation. Ceux qui bakangi, nous ne pouvons pas même arriver à 2000, à 2500 Congolais au bako voter. Avantage des ayanani. Qui gagne et qui perd dans cette histoire Bandeko? Posons-nous la question. Est-ce qu'on a vraiment permis à ce que les Congolais puissent voter? Na indépendance à Seni, on a dit que tout Bandeko kanisa ke non. Na indépendance à Seni. Ce n'est plus l'ambassadeur. Ce n'est Ezali Kambou Soufiana Eloko Moutoute. Ezali Kambou Akoloba Keno. La CENI veut à ce que, par exemple, ils ont Tolobata 25 000. Sur les 25 000 résidents. Total Atama Kambouaba résident Kaka. Sur les 25 000 résidents. Si nous pouvons ne fût-ce qu'avoir la moitié, c'est-à-dire 12 500 Congolais, on va s'enrôler et on perd sa crédibilité à CENI. Mais la CENI est en train de perdre, de se taper, donc de se tirer une balle dans son pied en se disant que non, Toza Kaka, c'est l'ambassade qui nous donne cette opportunité à enrôler Batou. Est-ce que l'ambassade est obligée? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu à ce que tout panza yango pour permettre, en sachant que batoua ba kombangundere ba okio koma na nanite, mettons ça dans les églises. Nous avons vu ici en Afrique du Sud, et na couvrir parenthèse, bangundere ba tounu ya nani ba Zimbabwe ba salaki ao. C'était si, ma deuxième question que je voudrais na lingana poser, les alliés qui destinaient justement à l'ambassadeur.
un ambassadeur a été obligé à couper sa CENI, ou bien c'est l'État congolais qui a obligé l'ambassade d'accueillir la CENI dans ses installations. Alors, à ce moment-là, la CENI perdait son indépendance. Ce n'était plus une indépendance parce qu'elle était guidée par, l'ambassade. L'expérience, moi, je l'ai vécue parce que un monsieur de l'ambassade a instruit Zaki Seni qu'on ne peut pas m'enrôler sans que je ne puisse acheter une carte, consulaire. La Seni avait perdu totalement son indépendance. Seni perdra qui indépendance na tangwana. Et c'est là où je dis Ambo. Après les discussions, je vous avais dit précédemment que nous avions discuté longuement avec ces gens en leur montrant le communiqué que la CENI avait dit. Voici, naba tu es CENI bango mokona lobi, communiqué oh et outil pas mususu te outil pas nabino, que mutu a présenté document moko parmi tant d'autres. Bah visa oh balobi il faut zala na passeport yango, mais on n'a pas parlé d'un carte, d'une carte consulaire. Oh non, c'est comme ça, ma problème est belé. Nous avons décidé que nous tenions sur toi à la carte consulaire. Alors, faites une autre communiqué. Vous allez communiquer, vous allez qui erreur. Voilà, Bandeko. Donc, l'indépendance de la CENI est à la qui en Goana, que CENI est qui colobate, que non, et c'est Ekangamaka en ambassade T. T. Dans son indépendance, je crois que la CENI pouvait absolument dire que non. Pour tout éviter, pour tout donner opportunité à Batouébele qu'on s'enrôler. Et que tous ces gens qui sont enrôlés, ce sont des Congolais, mais ce ne sont pas des exilés politiques. Bisomoko toyebani pona nini tozoya awa. Mais donnons quand même l'opportunité à cette masse congolaise de remplir ces états civiques-là. Tokoka et Kotia Yangoka Libanda Batouba s'enrôler dans Katia Baiglise. Et ça pouvait passer. Mais Kadima est venu avec solution mon côté. Après ces exposés-là, Batouba Pesak, Batouba Posaki, ma question, bien sûr, qui tournait tout autour, tout simplement, oh Batouba Salisabiso, tout ça. Moi, la réponse que j'ai aimée chez Kadima, c'était que nous ne pouvons pas être tout le temps de bébé. Ba Congolais, tout le temps, nous sommes bébé. Même pour remplir votre obligation civique, vous devez vous compter que Basalisayo Kendeko s'enrôler. Non, non, moi je pense qu'à un certain moment, l'Ikambouane est koukaï kolekate. Tozoyo kabatu a Cape Town, Bazo Senga Keseni, Basale Batiel, Bangobis, Bakendako s'enrôler. C'est un minimum qu'on peut faire pour son pays. Son devoir physique, on supporter en Yomoko. Ou bien vous organisez. Sans beaucoup trop de trompettes. Tu as dit que Bababilo, quand on a dit que les gens oui. Mais qu'on n'écrit pas ça. Et ça, Sony, que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que non, les partis politiques peuvent le faire. Les partis politiques ou même organisations non gouvernementales, ils ont dit que nous avons dit que nous avons traversé le Komoko, nous avons organisé que nous avons dit que nous avons dit Totali bisomoko ane, mais qu'on ne porte pas ça au niveau ya. Et ça la officielle que notre zo senga seni atie la biso babisa koya ko s'enrôler. Vraiment, wana na mona yi question ana kadi mazala kinena na moi raison ana place wana. Il a dit que non, bandeko. Ne fût-ce qu'un devoir civique, hein, to manifester à taille loko angwa koloba. Moi-même je veux y aller. Et non, to bandaka ko senga. Oh bo salisa biso, oh to salisa, oh boye biso, ah, to zana moya kokoma na Johannesburg te, oh moya kosala boya kokoma Pretoria te. Tout... Que ça soit ne fût-ce que dans vos organisations, vous s'organiser. Na kati ya famille, ba tu vas s'organiser. Est-ce que c'est pour autant que vous allez crier ça, que nous, est à l'officiel, c'est ni à... Si on veut, on va faire ça, on va aller comment? Et là, quand on a dit que les gens ne sont pas en train de se faire, ils ont corrigé le coup. Donc, ce qui était, ce que nous attendions de Kadima, et Zalaki Koloba, Batala Ndenge a résoudre le problème, il y a un grand nombre de batu qui ont voté. Mais cette question-là, ça ne colle pas pour la CENI. Et ça, on a placé. Na ebite soki 1500 o ba komo ba kozobie 2000 wana ba kozwa, ils vont se contenter de ça que non ba enrola ki batu. Donc moi je conclue ce chapitre là en disant que non Seigneur za na volonté a konanité ya ko enroler batu ebelete.
C'est comme si ils ont volonté à rouler échantillon Mokoboé et Tali Bango et Sili, ils vont partir avec ce qu'ils vont. Là, le nombre de Congolais, ils ont à la Bangote. Alors, dans les explications de Kadima, Batu a lobby, question Mokoya qui est lobby, Moutakoki go s'arrôler awa, à qui n'a qu'on voté Kinshasa. Moutakoki go s'arrôler na Goma, à eko, disons, à s'arrôler na Kinshasa, qui qu'on voté na Équateur. C'est très aberrant. Et ça aberrant, voilà maintenant là où se trouve question à tricherie, place Kozala, même dans la députation, parce que la distribution à siège. Il y a des sièges, il y a des députés. Il y a des centres de vote. Peut-être que vous allez en battre, que vous allez en zéro. Alors, côté Kouna, comment est-ce qu'on saura que les députés, côté Kouna, trompent sa siège autant? Ne place pas dans la zone où il y a une nomination à Kozala. Oh, ils ont coupé sa biso, qu'on fait ce, penser biso que non. Kadima a déjà affiché naïe. Kadima azap ko préparer déjà loko na otozo sala awa ezabi loko moko pamba parce que expérience à 2006 à 2011 na 2018 vous ne pouvez que voter dans le centre où vous vous êtes enrôlé. Chaque centre d'enrôlement ba ko publier ba liste à bato ba ko voter. Il y en a combien? On attend combien ici? On attend 5000. Na 5000 votants autozo attendre tozo zela awa. Il faut à l'analyse pour voter, faut à l'analyste. Il faut pas détecter que au sarola qui awa. Tu ne peux pas t'enrôler ici et puis aller voter à Kenge. Ne magui yangona. Ba député o ya Kenge ba kozala voter sur quelle base? Si na Kenge ba tubazate. Ba koloba ke non côté kuna ba attendre CIT. Comment est-ce qu'on va savoir? Bande koto fungola mato et tout fungola. Bon, moni place déjà tricherie et bandi. Tozo bandaka na côté à députation. Moi j'ai détecté ça. Je voulais poser comme question, mais ils n'ont pas voulu que je parle. D'ailleurs, ba ki ke non, na kopé sa ba question moko vraiment difficile. C'est comme ça qu'ils n'ont pas voulu à ce que ba pesa nga micro. Na lingena tout na kadima. Comment est-ce que tu vas faire la distribution? Yaba nani yaba siège. N'assemblée, ça c'était une question. Pourquoi? Parce que Batumusu Subaza Kozala Eli Awa Baza Ebele na côté Mususu place Batuba se déplacer qui Batu. Comment est-ce qu'on va à élire banane? Toko désigner Batuba Baba député Kuna Bakozala nommé ou comment? Parce que Basantre Mususu Tamso Mona Bavota Bazala 100. Ils ont voté Batu. Donc ça sera Eza Mubulu. À vous-même de juger Bandeko. C'est ça justement l'histoire que j'ai évoquée et je me suis dit vraiment Eza Mawaming. Alors, nous allons un peu conclure sur ce que sur notre point de vue. Nasi na pesibi no point de vue na biso moko. Oyo ya makambu d'abord ya ba distribution ya ba. Il a donné le calendrier. Ndenge akosala tout ça ba contentieux tout ça calendrier on est salema ki. Le plus important c'est quoi? Que vous devez retenir dans ma camboya à Seni, Ezali Kaka Keno, moi ça ne m'inspire pas confiance, je vous l'ai dit. Pour l'instant, en tout cas, je me garde, je me dis, veuillez voir. Pourquoi? Le camboya sécurité dans l'Est, espérons que ça va finir dans 2 ou 3 semaines. Et que Batoubako Zonga n'a pas place au Bazali. Déjà à partir à Congo, non. L'insécurité à l'est est battante. Là-bas, tu as battu. Tu as collaboré dans M23. Tu as dit que nous avons solo dans un groupe armé. Parfois, ce sont les groupes armés qui sécurisent ma matériel pour que nous avons un rôle. Donc, le groupe armé P et Kozala P, Kokotale Manakote, qui a placé le groupe armé va contrôler les électeurs là-bas. Est-ce que l'élection en est causée à solo? Quelqu'un a invoqué l'histoire de Kwamutu. Alors bien, ça là-bas village Mususu. Depuis machine Kenda kuna ba vota pété. Ba machine Mususu eza et kangami na ba groupe armé ba kangi ango. Est-ce que c'est dans cette ambiance là qu'on va aller aux élections? À vous de répondre, bande konanga. C'est votre la question vous est posée. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de continuer na nani?
na processus électoral oyo. Ma position c'est que bandeko totika ma makambo ya élection. Reconstruisons d'abord le Congo. Ça, c'est, si ce n'était que donné à moi. D'un autre côté, je me dis, ok, mais nous avons un médiocre à la tête de notre pays. Comment les chasser? C'est ça, les, donc ce sont les idées qui s'exercent. Je me dis, encourageons Félix. Au lieu de faire quoi que ce soit, bah, politicien bandeko, biso nani ba leader d'opinion, le peuple congolais puisse demander à Félix d'arrêter et d'aller dans la bonne direction. La bonne direction, c'est quoi? C'est redresser d'abord le pays. Tout tient à nous, moi, ordre. Benga baninga, balobi, attaque à l'élection, et là, comment qu'on s'en les maté? Nous ne trouverons pas la solution à notre pays. Est-ce que pouvons-nous rectifier les tirs pour que ne fût-ce qu'à 2025? Token de na ba élection. Prenons ces deux ans ici. Qu'on appelle ça glissement, qu'on appelle ça coup d'État, qu'on appelle quoi que ce soit, mais que ça soit pour le bien de la République démocratique du Congo. Ce qui t'a retiré ba élection en 2023, qu'est-ce que nous devons faire? C'est remettre l'ordre dans le pays. Avec tout le monde, obtenir la réconciliation nationale, obtenir la cohésion nationale. Engageons le débat pour une nouvelle constitution, en l'engageant comment, en appelant les états de lieu de chaque territoire. Bah, état de lieu de chaque territoire on a toujours le projet à 145 territoires, on a le Belakango Awa. On a Congo, on a le Belaka Awa. L'Ikambo est mobulwane kokiko sila avec une discussion franche, négociation na batu oya Rutshuru. Les Congolais de Rutshuru peuvent se mettre d'accord en se disant to silisi makambo makambo. Négociation pe ko uta kalibanda te, la paix ne viendra que chez nous et ko uta kuna. C'est comme ça que je me suis dit. Le projet de 145 territoires dont je parle ici, c'est une négociation eza masolo oyo batu bakobeta na katia ba territoire na bango pour réformer le Congo. Toko solo la likambo ya constitution ya sika. Batu bakozala ensemble pendant ces deux ans là, to tie ba mécanisme moko ya ko rétrocéder pouvoir na katia base. Ba base congolaise batu na katia ba territoire bazala, ba to réfléchir, to tie mayele na papier. Oh nyoso biso nyoso tout to ko respecter yango. Batu na batu ba se retrouver. C'est comme ça que moi je me suis dit, la seule personne qui peut faire ça, c'est Félix. Atteza médiocre, mais s'il prend conscience à Kolobake, non. Na kende nanu, na benga Katumbi, na benga Fayulu, na benga Bandeko, ba delice sanga, to vanda nanu, Bandeko. Mboka oto zaka na mboka moko. Toti kananu ba complaisance wana koloba yoko sa le lokote. Félix a reconnaître que effectivement je n'ai rien fait. Ki moibi le ki tro, ba makambo ebele le ki tro. Tozo kende kaka bouluye ke mboka na biso ezo kende akobeba. C'est comme ça que nous sommes dit, il est grand temps à ko réfléchir na likambu oyo. Réfléchissons sur un nouveau Congo. Tomi pe Satan ya koloba, qu'est-ce que nous pouvons faire? Développement ko uta wapi? Comment est-ce que nous pouvons développer le Congo? Comment est-ce que nous pouvons faire une réconciliation nationale batuba reconnaître tout à la Congo à sika o koza la diriger na batu ki moibe ko ko sila ndenge ni na Congo. Mais tant que nous ne mettrons pas cette idée là en marche, to kobanda ka ko bunda o akoya atato ke na ba élection, o akoya akosala la même chose que Félix est en train de faire, parce que ko inane le ki trop na Congo, il n'y a pas de transparence. Regarde ce qui se passait après la réunion là-bas. Makambo ebele tokoya kolobela bino. Après réunion à lobby. Batu baza ki bamsusu o tokobeta batu o tokosala boye. Les gens ne sont pas sereins. Tozo kende wapi bandeko. Voilà un peu moi ce que je suggère que pourquoi je suggère que ba élection comme mabiso eloko moko et place mon côté. Il est grand temps de se mettre d'accord, de se dire tovanda nanu
batumsu ba koloba o nazolo ba o lisolo batuba ba ba kabola kanan ba ezali kamba ko kabola pouvoir te ezali kamba koloba bon voici nous allons lancer un projet de 145 territoires nous mettons en berne le parlement nous mettons en berne le sénat nous renvoyons les sénateurs et les parlementaires en consultation populaire pour que nous puissions réécrire notre constitution. Ça peut prendre un an, ça peut prendre une année. Et pendant ce temps-là, nous allons résoudre le premier problème de l'identification. Parce que l'identification est causée à la TK Kana Kinshasa, Batouba Kendeko identifié à Batou, comme on est en train de faire les enrôlements. Oh non, non! Et qui pointe à ONIP, il faut informer Batou, oh, bah, okende ko salaka, bah, identification, la katia banani, yaba territoire. C'est comme ça que je me dis, il faut que tout va nanano ensemble à Koloba. Batou, ananyoso, toutes les tendances politiques et les sociétés civiles, tout va nanano ensemble à Koloba. Bandeko, qu'est-ce que nous faisons? Bota la barrière, Félix Azako, commettre Mikolo, sur l'histoire de l'Est. Ça ne nous avance à rien, généraux Bazak. Donc, tozabouluye que nous n'avons pas de l'ordre dans notre pays. Togo que nous n'avons pas d'élection, quand nous n'avons pas d'ordre à Boété. Voilà, je vais m'arrêter là, en espérant que quelqu'un a entendu ce que je disais, je dis ici, et que vraiment, ne rendu nangai on a ouïko pe sabino sur concertation Oyo, c'est Nina va partie prenante au processus électoral et Salema Kilobi. Alors, pour terminer, je vais vous demander quelque chose. Abonnez-vous vraiment sur Contact Pro Live. Tous abonnés. Ce que vous allez être abonnés, abonnez-vous. Ma réflexion est portée sur la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et le projet s'appelait le projet de 145 territoires. Nous avions commencé ça depuis 2019. Tozo Lobela Félix, pardon. C'est ça notre réflexion, rétrocéder, voir comment est-ce que l'autorité à la base pourra fonctionner, comment est-ce que Tokoki ko rétablir l'autorité à la base Nabiso. Nezak ezay loko ya mutuya otozolo bela awa na Contact Pro Live. Nous développons ce sujet-là, c'est pour cela, nazako senga na bino, bo s'abonner pour que bo comprendre loko wana malamu. Bo komona ke ba raisonnement otozo kende. Et ce qui est une forme petit à petit, ce qui peut vous partager par émission Nabiso. Ozui yango, kabana baninga. Ce qui est une question, numéro nangaza awa. Bo ben ngai, nous pouvons en discuter des heures et des heures. Et beaucoup de gens qui s'abonnent m'ont appelé pour me demander beaucoup d'amples explications sur ce développement de 145 territoires dont je parle ici. Donc, abonnez-vous nombreux. Boti kaba message. Ce qui est lingi, tiata moi like moko. Ba commentaire nabino et pesa kabiso pe moi force à côté la kolobi qui non ba tuaza ko suivre biso. Alors merci donc, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.